Hola les amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle après-midi détection. Enfin, j'ai 2 heures environ, je viens de sortir du boulot. Il est 16h, 16h10, donc jusqu'à 18h10, 18h30. Voilà, donc vous pouvez admirer un petit peu le paysage, hein, magnifique. Donc, nouvelle autorisation que j'ai eue déjà il y a un petit moment et j'étais jamais venu. Donc là, je viens juste de rentrer, la voiture est juste derrière moi. Et j'ai vu au sol. Alors quelque chose qui me surprend un petit peu, ça a la forme d'un caillou, on dirait comme du charbon un petit peu. Mais j'ai regardé, c'est pas du charbon, c'est un caillou. Ça ressemble même à de la pouzzolane. Hein. C'est noir, ça a l'air d'être une pierre de lave. Mais la forme, voilà. C'est un petit peu étrange. Voilà. Si vous avez une idée, pourquoi est-ce que c'est naturel cette forme? Je suis pas sûr. Hein. Voilà. Allez, on se reprend pour le premier son puisque j'ai pas eu de son encore. Allez, à plus les amis. Allez les amigos, on se reprend. Donc l'entrée est juste ici. Donc j'ai fait quelques mètres. Et premier son, ça se trouve ici. Bon, ça doit pas faire très très longtemps qu'il y est, hein. C'est pas très vieux, mais bon, c'est cool, un de plus dans la collection. Allez, à plus les amis. 3-4 mètres plus loin, donc un gros son à 19 qui claquait bien, et c'est une cuillère, enfin un morceau de cuillère, donc avec l'Equinox 800, toujours programme Parc 2. Voilà. Bon, c'est cool. Allez, à plus. Les amis, dans un gros trou profond de plus de 30 cm, un gros son à 30, 31. Et donc, ça se trouvait vraiment au fond. Et c'est un gros module, mais qui a l'air un peu rincé. Allez. Je vois pas grand chose. Oui, peut-être une tête de Marianne, peut-être une Révo. Je sais pas exactement. Écoutez, on verra si au nettoyage il en ressort un peu plus. Allez, première monnaie, c'est cool. A plus. Allez, le trou de la Revo certainement était ici. Donc juste à côté, un nouveau son très propre à 20. Et encore un gros module. C'est du 10 centimes la peau, ça il me semble. Bon, ça a l'air aussi très encroûté. Et très passé. Bon, c'est on verra au nettoyage, mais je pense pas ressortir grand chose. Bon, deux monnaies pas top, hein. J'espère qu'il y aura des plus belles monnaies dans le champ, hein. C'est dommage que ça les bouffe comme ça. Allez, à plus. Bon les amis, et troisième son côte à côte. Puisque la Revo était ici, la Napo était juste là, et tout de suite à côté, donc une boursée. Mais alors,
Donc avant de filmer, j'ai frotté un petit peu quand même. Je me suis dit, si c'est complètement savot, je vais pas la filmer. Et il y a quelques restes, mais alors pas du tout de la même époque, hein. Puisqu'on voit, hop, zut, pardon. Puisqu'on voit apparaître un petit peu ici. Ah, c'est l'appel qui est tombé. Qu'on voit apparaître ici le petit logo, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, désolé. Pardon, ici là. Le petit symbole des six deniers d'Ardennes. Donc, ouais. Voilà une boursée, mais qui ont certainement pas été perdues en même temps. Hein. Bon, ben, ça commence pas mal, parce que j'ai fait 30 mètres là en tout. Donc, trois monnaies, le couteau et la cuillère. Allez, c'est cool, ça s'annonce bien. À plus! Allez les amis, ça fait un petit moment qu'on s'était pas repris, donc j'ai fait plein de tirettes d'alu. Donc j'ai fait aussi un petit plomb de sac et deux boutons complètement savots. Voilà. Donc là un bon petit son à 18-20. Et un objet que je fais pas souvent. Alors ça me semble être un poids de balance romaine. Ça a dû être cassé là sur le dessus. Là. Ça en a tout l'air tout du moins. Voilà. Un petit poids de balance. Allez, c'est cool. À plus. Allez les amis, on se reprend pour un nouveau son. C'est le énième que je fais. J'en ai fait énormément là sur les 30 derniers mètres. Bah, c'est des morceaux de canettes, quoi. Alors on est juste en bordure de route là. La route. Passe là, là. Pff, les gens en jettent ça, c'est dingue quoi. C'est le long des routes en permanence, on fait de l'alu, des cadettes, c'est dégueulasse quoi. Pff, les gens sont vraiment des porcs. Voilà, allez les amis, on continue. Allez les amis, un petit son à 15, ça se trouve ici. Et c'est un morceau de boucle. Voilà. Allez, à plus. Allez les amis, donc je me suis éloigné un petit peu de la bordure de la route hein, qui était là-haut. Donc j'ai fait toute la descente et voilà. Et là j'ai longé ces quelques arbres. Donc j'ai fait deux boutons quasiment savots. Oh, il reste pas grand-chose. Hein. Donc et là dans ce trou. Ça se trouve ici. C'est une balle à sanglier. Un gros gibier en tout cas. Voilà. Je sais pas si c'est pas une balle à ailette, il semble. À vérifier, mais. Voilà. Bon, bah, les amis. À plus! Mis dans ce trou un son pourri à 20-23, ouais, vraiment un son pas beau, et pourtant ça se trouve ici. Donc, ça a l'air d'être une 10 centimes, ouais, Napoléon 3, oui, c'est ça. Bon, qui a pas l'air vilaine par contre, pas contrairement aux autres.
Ouais, c'est cool. Allez, je regarde quand même s'il n'y a pas autre chose dans le trou parce que le son était vraiment bizarre, quoi. Allez, à plus. Allez, les amis, la sortie est terminée. Puis là, entrée mitigée, hein. Pas mal de cibles, mais franchement, pas top top. Hein. Des monnaies à moitié, ça vaut à part une napo, une 10 centimes napo qui est pas vilaine. À part ça, le reste est bien moyen. Donc voilà, ça a fait prendre l'air, il fait beau. C'est l'un des derniers jours de beau, apparemment, puisqu'ils annoncent un week-end très pourri. Voilà, donc c'est cool, et puis avec un magnifique paysage, donc chouette sortie quand même, même si les trouvailles n'ont pas été au rendez-vous. Allez, et ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis!